très bien décrit pour l'application MoveCare dans les stades métastatiques. Et nous, on est très volontaires pour le mettre en place dans les cancers bronchico-opérables, parce qu'on voudrait vraiment offrir à ces patients-là une prise en charge très précoce de leur récidive. Donc là, on rajoute effectivement une interaction hebdomadaire. Et puis d'autre part, lorsque le patient arrive à la consultation, est un patient qui a rempli le MoveCare sur plusieurs semaines finalement, en préparant la consultation, on peut avoir accès à l'ensemble des questionnaires répondus, même s'il n'y a pas eu d'alerte. Et ça permet de voir justement l'évolution des choses et des symptômes, s'il en reste malgré tout. Donc c'est vrai qu'on arrive à la consultation en sachant déjà s'il y a eu un problème ou pas. Et donc ça permet d'être un peu plus focalisé sur ce qui se passe. C'est un logiciel qui est quand même assez facile d'utilisation, ergonomique et qui prend assez peu de temps pour ses patients. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi une plus-value. On l'utilise tous les jours, mais ça permet d'améliorer le lien entre le patient et son médecin à l'hôpital. Et ça, ce lien que l'on n'a pas spontanément. Quand le patient essaye de téléphoner, c'est pas facile de voir un médecin. Il voit le médecin éventuellement tous les 2 mois, tous les mois, tous les 3 mois. Et là, c'est un suivi continu, hebdomadaire, et finalement, ça personnalise le contact entre le patient et l'hôpital. Les patients sont mieux suivis, on a un lien qui se poursuit.